Et bien maintenant, je propose qu'on commence avec la première conférence plénière d'Ariane Martinez, qui est professeure à l'Université de Lille. Attends, viens. Voilà, je me disais que ça viendrait du plafond, ma blague à moi, mais non, ça vient aussi du sol. Donc, professeure à l'Université de Lille et membre du CEAC, Centre d'études en art contemporain. Et ses recherches portent sur l'histoire de la mise en scène et du jeu corporel, mime, théâtre et cirque, de la fin du 19e à aujourd'hui. Et elle a publié, entre autres, les ouvrages suivants, donc Contorsion, histoire de la souplesse extrême en Occident 19e au 21e siècle. Un ouvrage coédité par le Centre national des arts du cirque et la revue d'histoire du théâtre en 2021. Un ouvrage dans lequel elle a participé, Tout le monde et quelqu'un d'autre, répertoire cirque, théâtre, danse, Guy à Loucherie, compagnie Hendrik van der Zee. Coordonnée avec le CNAC aussi en 2017. Elle a co-dirigé avec Violaine Hérault Le Vaudeville à la scène. Co-écrit la mise en scène de 1800 à nos jours avec Bénédicte Boisson et Alice Falco, et enfin la pantomime Théâtre en mineur 1890-1945 en 2008, où elle a publié donc cet ouvrage majeur dans l'histoire du mime. Titre un petit peu changé par rapport à la à ce que j'avais donné encore il y a quelques semaines. Tout simplement parce que j'avais l'ambition de faire émerger des figures de l'engagement circassien en m'attachant à tel ou tel artiste, mais que je me suis rendu compte de l'impossibilité d'être aussi exhaustive que ce que j'espérais. Et donc, je me limiterai à circonscrire quelques gestes qui me paraissent représentatifs de l'engagement dans les arts du cirque, historiquement et au présent. Parce que vous l'aurez compris, moi, je suis plutôt historienne. Et je vais démarrer par une citation gigogne que j'ai beaucoup aimé dans le livre d'Hélène Bézi, Tony Froissart et Florence Legendre, qui est sur l'Académie Fratellini. Et donc gigogne parce qu'il y a deux citations dans la citation, en fait. Il faut, à l'instar de Philippe Petit, savoir être fier de sa peur. Philippe Petit, qui est ce funambule qui marchait entre les immeubles. Hein. Oser s'engager, nous dira Valérie Fratellini. Donc ils mettent en relation ces deux citations. Et pourquoi démarrer par cette citation gigogne? Tout simplement parce que je me suis rendu compte après coup que le fil conducteur de mon propos, c'est la question de la peur, ce qui n'était pas du tout une association évidente au départ, quand j'ai commencé à réfléchir sur cette question de l'engagement dans le cirque du point de vue historique. Alors c'est peut-être un signe des temps, c'est peut-être lié au fait que la peur est partout dans le contexte politico-social actuel, xénophobie, éco-anxiété, crise sanitaire, bon, qui est quand même un petit peu derrière nous, mais angoisse de la transformation de nos rapports au savoir par l'IA, etc. etc. Mais je crois aussi que les artistes de cirque se démarquent dans ce contexte par des attitudes qu'on pourrait qualifier de divergentes à l'égard de cette agitation médiatique de la peur. Et leur divergence, me semble-t-il, tient moins à une posture critique revendiquée, comme ça pourrait être le cas sur certaines scènes théâtrales, ou à un militantisme formulé, bien qu'il puisse exister aussi dans le cirque. Hein. Mais ceux, en tout cas, celles et ceux auxquels je m'intéresserai aujourd'hui, ce sont celles et ceux qui ont, me semble-t-il, une certaine façon d'agir dans le temps, qui est inspirante et singulière. Alors, je n'ai pas repris, mais je repensais ce matin à une citation d'Étienne Decroux, puisque tu me parlais de la pantomime à l'instant. Étienne Decroux qui disait dans Paroles sur le mime, « Pendant la guerre, il y a eu des gens qui ont eu de beaux gestes, et il y en avait qui avaient une attitude belle, je préfère l'attitude au geste. » Mais quelque part, c'est cette attitude-là, engageante, que je vais essayer de mettre en valeur, en fait. Alors, ce
préalable un petit peu flou étant posé, je vais en venir à des considérations un peu plus structurées. Quelle forme d'engagement dans et par le cirque ? Le cirque a à voir avec la question de l'engagement physique, parce qu'il est l'art vivant qui confronte le plus au dépassement de soi, à la prise de risque, à la dépense, à l'endurance, à la résistance, on le sait. Et toutes ces qualités physiques sont bien entendu transposables en qualité psychique et en qualité sociale. Meyerhold le disait déjà en 1917 lorsqu'il soulignait l'efficace contagion d'un courage immense que suscite le cirque, qui apprend, disait-il encore, à créer et vivre dans l'audace et qui permet de voir la victoire du risque tout sur le peureux. Le cirque a à voir avec la question de l'engagement moral, parce que c'est un art où, historiquement, l'exploitation de l'humain par l'humain et de l'animal par l'humain a été poussée à l'extrême, et qu'il pose donc avec une très grande acuité la question des droits fondamentaux et des valeurs défendues par les artistes, non seulement lorsqu'ils et elles se produisent en public, mais encore, et c'est ce qui est intéressant particulièrement dans le cirque, aussi par leur mode de vie et par leur mode de transmission. Et le cirque a à voir, bien sûr, avec la question de l'engagement politique, dont vous avez déjà pas mal parlé dans votre introduction, hein, par ses interactions passées avec la vie militaire et par la manière dont il a pu exalter le sentiment national, ou au contraire, c'est ce que je vais essayer de montrer un peu plus clairement, par la façon dont il a revendiqué une forme d'internationalisme, tout en fondant des communautés qu'on pourrait qualifier d'alternatives ou qu'on pourrait nommer, d'après Foucault, hétérotopiques. Alors, je sais que tu as travaillé sur Annie Fratellini, et donc voilà, c'est une petite... Alors, à propos de ces communautés hétérotopiques, j'aimerais citer les mémoires d'Annie Fratellini, hein, qui, évoquant son enfance dans les années 1940-1950, disait... au cirque, on pouvait être de toutes les races, on s'en fichait si toutefois on était du cirque. Sinon, on était un pantrio, injure suprême. Alors, bien sûr, c'est... voilà, on n'est pas du tout dans le même contexte, mais il y a quand même eu ce moment un peu clé. Alors, ces trois types d'engagement, physique, moral et politique, seront mobilisés dans mon propos, qui sera principalement historique, et dans lequel je m'attacherai à tenter de montrer ce que le cirque contemporain emprunte à l'histoire du cirque au long cours. Comment les artistes de cirque contemporain s'inscrivent dans des filiations historiques ? Parce que je crois qu'on en est à la phase où ils s'inscrivent plus volontiers dans des filiations historiques, loin de cette phase, on pourrait dire, des années 80, où ils étaient en rupture avec, avec le cirque traditionnel, ou au contraire, la manière dont certains, certaines s'écartent de certaines filiations en lien avec leurs valeurs. Et je vais donc m'intéresser non seulement à l'histoire du cirque, mais aussi aux imaginaires qu'il convoque, pour faire un petit clin d'œil au colloque de Rouen. Magali Cizorne, Marine Cordier avaient organisé avec le collectif des chercheurs sur le cirque, parce que ces imaginaires me semblent encore très actifs et puissants, et qu'ils participent à l'efficacité de cet engagement circassien. Et pour convoquer ces imaginaires, je me fonderai à la fois sur des archives historiques, des articles de presse, des livrets, des notes d'intention, et sur des documents qui sont peut-être plus liés, on pourrait dire, à la culture et à la mémoire, comme les autobiographies d'artistes, les poèmes, les affiches. Il y en aura quand même moins que ce que j'avais prévu au départ, mais voilà. Et l'axe directeur de mon propos, c'est donc de montrer comment le cirque a pu évoluer, je dirais, d'une idéologie de la conquête, conquête d'espace, conquête des corps. Je ne l'ai pas mis là, oui, si, je l'ai mis en titre. Conquête d'espace, conquête des corps, à une idéologie de la culture du vivant, de l'adaptation et de la porosité à l'environnement. Enfin, je dois préciser d'emblée que je m'attacherai très peu aux lieux, ça tombe bien, Esther va nous parler des lieux juste après. Pourquoi ? Parce que, bon, déjà, ce n'est pas ma spécialité, les lieux, et puis on sait qu'ils ont toujours été multiples au cirque, en fait. Hein. On a l'imaginaire du chapiteau qui est très fort, mais il y a aussi eu les cirques en dur, on le sait, les musicals. Le cirque s'est aussi produit dans des théâtres, dans la rue, en plein air, et c'est encore le cas aujourd'hui. Il n'y a pas un seul lieu de cirque aujourd'hui. Pour ma part, ce qui m'intéresse, c'est bien le personnel circassien, dont l'engagement va bien évidemment varier en fonction du contexte sociopolitique dans lequel se trouve l'artiste, mais aussi en fonction de son agrès et de sa discipline.
Et ce que je vais essayer de faire, c'est dégager quelques postures ou quelques gestes engagés en me penchant dans un premier lieu sur les acrobates à cheval et aériens et sur les valeurs qu'ils et elles ont défendues au XIXe siècle, juste pour qu'on voit quand même, qu'on mesure la différence. Et dans un deuxième temps, je tenterai de montrer en quoi le cirque actuel, qu'il soit d'ailleurs qualifié de traditionnel ou de contemporain, réactive une valeur clé, me semble-t-il, pour l'engagement, qui est la polyvalence dans le travail et la capacité d'adaptation. Et dans un troisième temps, je ferai un sort plus bref, mais spécifique aux clowns qui évoluent hors spectacle, en essayant de montrer, en sens inverse, ce que leurs pratiques ont eu et peuvent encore avoir d'inspirant pour l'engagement au XXIe siècle. Alors le cirque, c'est le spectacle de l'engagement du corps dans l'espace. C'est une certaine forme de conquête de l'espace, conquête horizontale avec les écuyers, les écuyères, conquête verticale avec les trapézistes, conquête du vivant avec les ménageries, conquête des objets avec le jonglage et les agrès. Or, la figure de l'artiste engagé de l'après-Seconde Guerre mondiale a un peu fait oublier qu'en français, le terme d'engagement a une histoire qui précède celle de l'artiste engagé et qui est bien évidemment liée à celle de l'armée. Engagez-vous, rengagez-vous, qui disait, pour citer les soldats romains d'Astérix et Obélix, qui reprennent en fait anachroniquement les termes des affiches pancoloniales du ministère de la Défense des années 1930. Engager, c'est dès le XVIe siècle mettre en gage, et cela va prendre dès 1559, si j'en crois le dictionnaire historique de la langue française, qui est un peu ma bible lexicologique, ça va prendre le sens figuré de faire entrer dans une situation qui ne laisse pas libre. Et c'est ce qui ne laisse pas libre qui me semble inspirant ou intéressant ici, car les gestes de cirque vont être, tout le long du XIXe siècle, des gestes qui empruntent à la vie militaire, mais au service d'une certaine idée de la paix et de la concorde. Et cette question de l'engagement militaire, elle est bien sûr inscrite dans l'ADN du cirque moderne, puisque Philippe Astley est, comme vous le savez, était, comme vous le savez, un militaire démobilisé. Le cirque moderne est né à la fin du XVIIIe siècle de ce qu'on pourrait dire aujourd'hui la reconversion professionnelle d'un dragon léger, ce corps d'élite extrêmement mobile pour l'offensive comme pour la défense, comme l'a montré Caroline Audac. Astley était donc un écuyer désœuvré qui a choisi de transformer ses exploits de guerrier en exploits esthétiques pour la beauté du geste. D'ailleurs, ce n'est pas, à mon avis, ce n'est sans doute pas un hasard si beaucoup de pantomimes spectacles du début du XIXe siècle, donc je fais un bond de 50 ans et je reviendrai ensuite à Astley, donc si beaucoup de pantomimes spectacles du début du XIXe siècle célèbrent la paix, plus encore que les victoires militaires, à l'exemple de cette fête pantomime militaire et allégorique représentée sur le Grand Théâtre des Champs-Élysées par la troupe du Cirque Olympique de Franconie le 2 avril 1810 pour célébrer en fait le mariage de Napoléon Ier et de Marie-Louise, fille de l'empereur François Ier d'Autriche. On peut y voir notamment une scène où les armées françaises et prussiennes qui étaient prêtes à s'égorger, je cite le livret, s'embrassent à l'annonce de la nouvelle de la paix. D'ennemis, ils sont devenus frères, explique le livret, et tous reconnaissent, je cite encore l'argument, que Napoléon, aussi généreux après la victoire, qu'il est grand dans les combats, vient de désigner le repos de l'Europe. Donc il faut quand même ce petit hommage à Napoléon, sinon on n'est pas au XIXe siècle. Alors d'une certaine manière, pour revenir à Astley, Astley se désengage de l'armée quand il se tourne vers le théâtre équestre, mais il garde ses attributs, et notamment son uniforme, qui atteste de son héroïsme passé sur les champs de bataille, et lui donne une stature. Et c'est cette question de l'héroïsme que j'aimerais explorer ici. Qu'est-ce que le geste circassien et en quoi réside son héroïsme? Dans le cas d'Astley, l'habit, tout autant que le geste, font non pas le moine, mais le soldat. Et si cela peut paraître futile d'évoquer le vêtement dans une réflexion sur l'engagement, il aura en fait son importance, notamment du côté du personnel féminin du cirque. Car c'est non seulement par leur panache, mais aussi par certains choix vestimentaires que les écuyères vont se démarquer tout le long du XIXe siècle en gagnant une certaine forme de liberté posturale. Et on a souvent parlé de l'écuyère romantique en tutu, qui emprunte à la danseuse, mais elles ont aussi suivi d'autres codes vestimentaires, celui de l'Amazone et celui du militaire. Je prendrai deux exemples à partir de la même voltigeuse, Antoinette Lejars, dont le nom de jeune fille était Antoinette Jolibois et qu'on peut aussi retrouver sous le nom de Antoinette Lejars-Cusan puisque c'était la femme de Jean Lejars et la sœur de Paul Cusan. Donc deux exemples de ce qu'on pourrait nommer des gestes engagés au XIXe siècle.
L'un de ses gestes engagés est tout simplement vestimentaire, puisqu'il s'agit de sa participation en 1839 au carrousel de 9 dames colonelles réunies par François Baucher, où elle porte la tenue du régiment de Lauzun, tandis que d'autres écuyères, comme Pauline Cusan, sa sœur, porte celle du colonel des Suisses. Catherine Tour-Malan a écrit un article très intéressant au sujet de ces écuyères du 19e siècle, où elle souligne que le trouble suscité par elles n'était pas lié à un brouillage des genres dans le travestissement, comme cela pouvait se faire à la même époque au théâtre, mais plutôt à cette habileté avec laquelle ces écuyères cumulaient en fait les caractéristiques attribuées à chacun des deux sexes. D'un côté, la fragilité, la grâce féminine, dans une conduite qui était spécifiquement féminine en Amazone, puisqu'elles étaient obligées de se mettre comme ça en Amazone de biais et n'avaient pas autorisation de tenir la bête entre leurs cuisses, en fait. Hein. Et de l'autre côté, cette maîtrise quand même de la chevauchée, de la vitesse et de l'espace qui était associée à la virilité. Alors ce constat du « en même temps », il rejoint d'ailleurs celui fait par Charlotte Fouché-Zarmagnan au sujet des dompteuses de la Belle Époque, hein, qui ont emprunté autant à l'attitude de la mère et de l'institutrice qu'à celle du dompteur en force, ou encore le constat de Nathalie Coutelet au sujet des femmes herculéennes comme Léona Daré, aussi intrépides que gracieuses, dit cet extrait de la revue des théâtres, donc que j'emprunte à l'article de Nathalie Coutelet sur les femmes herculéennes. Donc c'est cette manière d'être en même temps masculine et féminine et non masculine à la place de féminine qui pose un jalon dans ces conduites possibles à adopter dans la société, tout exceptionnelle ou atypique qu'elle soit. À propos d'Antoine Lejars, je souhaiterais aussi noter un autre geste engagé de sa part qui permettra de souligner combien, au XIXe siècle, la parole étant prohibée sur les pistes et censurée sur les scènes, hein, je le rappelle, tout geste engagé est forcément en fait allusif et indirect dans les salles, surtout quand c'est au cirque où il y a très peu de mots. Donc ça va requérir une forme de compréhension implicite, en fait, ce qui relève de la complicité contextuelle. Alors, un de ces exemples, le 6 août 1839, Antoinette Lejars adapte à cheval une danse déjà célèbre à Paris, car dansée par la ballerine Fanny Hessler, celle que vous voyez sur le petit voilà, sur le dessin de costume. Donc cette danse, c'est la danse nommée la cracovienne, qui, comme son nom l'indique, est originaire de Pologne. Et s'il est sans doute très spectaculaire d'adapter à cheval cette danse qui a, paraît-il, un tempo syncopé de plus en plus rapide et qui est composé de sauts et de galops, quand bien même elle ne serait pas à cheval, ce geste est en fait aussi un hommage aux 10 000 réfugiés polonais qui ont dû quitter leur pays en 1831 après l'écrasement de l'insurrection de Varsovie par l'armée russe de Nicolas Ier, insurrection qui est en fait pensée alors par le peuple français comme la sœur ou la cousine de la révolution de juillet 1830. Donc voilà pour quelques gestes engagés. Jules Léotard est l'un des premiers à déserter délibérément le costume militaire du 19e siècle pour s'orienter vers celui de la gymnastique. Il invente, là aussi on le sait, hein, je brasse des éléments que beaucoup connaissent, hein, il invente le maillot dont il défend les qualités pratiques et esthétiques parce que c'est, dit-il, un costume plus naturel qui ne dissimule pas vos avantages. Ça, je cite les mémoires de Jules Léotard. Mais ce qui va m'intéresser ici, c'est moins ses mémoires que le procès que lui a intenté le 28 septembre 1860 Eugène Dejean, directeur des deux cirques, où Léotard est employé. Procès qu'il lui intente pour son refus de revêtir l'uniforme des écuyers de cirque, uniforme militaire. Refus qui s'accompagne, dit l'avocat de Dejean, d'un déni de solidarité avec ses camarades de piste, dont il est censé tenir les écharpes et présenter les ronds. Léotard, qui n'a alors que 21 ans et qui est déjà en fait une vedette adulée par les femmes, hein, il a déjà publié ses mémoires où il explique à quel point les femmes lui courent après, il publie toutes ses lettres d'admiratrice, et est très près d'entamer à ce moment-là une tournée en Angleterre. Et lors de ce procès, dont on a par chance tous les éléments grâce à cet article, il défend sa position car, dit-il, et là je le cite encore, hein, il veut mener sa vie d'artiste largement, ce qui suppose, dit-il encore, de rester dans sa spécialité du trapèze. Pendant que les autres acrobates et écuyers et écuyères
prépare la piste pour les numéros de leurs comparses. Donc Léotard, lui, choisit de s'installer dans les places réservées au public et d'y côtoyer donc le beau monde, hein, puisqu'il y a un public aristocratique à l'époque pour le cirque. Hein. Alors ce procès, qui peut paraître anecdotique et qu'il perdra d'ailleurs, hein, me semble très révélateur des valeurs défendues au cirque que Léotard va quelque part rejeter ou dénigrer en se spécialisant. Léotard fait alors ce qu'on pourrait appeler un geste de désengagement pour se rapprocher des figures du vedettariat, plus proche du théâtre en fait, et quitter ce que moi j'appellerais l'esprit du cirque et que je vais tenter de cerner avec des propos plus contemporains. Alors cet esprit du cirque, c'est une certaine forme de polyvalence qui fait qu'au XIXe siècle comme au XXe siècle, dans la grande période des chapiteaux et des tournées, du cirque industriel, hein, à l'ère industrielle du cirque, les circassiens sont à la fois les machinistes qui montent le chapiteau et les artistes qui jouent dedans. S'il vient au départ de l'héroïsme soldatesque, cet engagement dans tous les actes du cirque, du plus glorieux au plus laborieux, va se décliner au XXe siècle en la figure du travailleur, plutôt du travailleur artisan que du travailleur ouvrier. Dans ses mythologies, Barthes l'affirmait déjà, c'est pour ça que je parlais de mythologie dans mon titre, hein. Je pensais notamment à celle de Barthes et à cet article qu'il consacre au music hall. Il disait donc le cirque est, comme le music hall, la forme esthétique du travail, parce que tous deux consistent en l'affrontement d'un geste et d'un matériau. Cette valeur du travail polyvalent, curieux, exploratoire existe encore aujourd'hui, aussi bien, me semble-t-il, dans la branche du cirque qu'on qualifierait de traditionnelle que dans celle qu'on qualifie de contemporain. Comme le soulignait Gypsy Grus dans ses mémoires, les artistes de cirque ne disent pas comme les comédiens qu'ils jouent, mais qu'ils travaillent. La polyvalence, dans son cas, s'est déclinée doublement. D'une part par la variété des types de disciplines qu'elle a maîtrisées et traversées, danse sur fil, jonglerie, trapèze animé, acrobatie sur cycle ou sur éléphant, pyramide équestre, voltige sur chameau, corde à sauter, haute école, équilibre sur machinois et d'autres encore que je ne citerai pas mais que vous pourrez lire voilà, en dernière page de ses mémoires. D'autre part, cette polyvalence, donc... elle s'est aussi déclinée par sa capacité à conduire le camion la nuit entre les villes d'un jour et à décharger les chevaux pendant que les hommes montaient le chapiteau. Alors ce désir de montrer l'engagement dans le travail, y compris dans son caractère routinier, ingrat, peut-être peu spectaculaire, il existe aussi dans le cirque contemporain. Maroussia Diaz-Verbeek le laisse entendre lorsqu'elle affirme « au cirque d'où je viens, il faut tout faire ». Le spectacle de cirque contemporain qui a le plus mis en évidence cela est à mes yeux Le Vide, essai de cirque, que Fragan Gelker et Alexis Auffray ont tourné de 2011 à 2019 dans des lieux très différents. La particularité de ce spectacle, placé sous le signe du mythe de Sisyphe de Camus, repose sur le fait que toute sa première partie consiste à suivre Fragan Gelker dans son ascension du bâtiment pour accrocher sa corde. Le montage ou l'accroche de la grée in situ fait partie intégrante du spectacle et suscite une forme de fascination, comme du reste le montage du chapiteau autrefois pouvait mettre une ville en ébullition. Fragan Gelker s'affilie volontairement à deux formes artistiques qu'on a souvent opposées. Hein. D'un côté, le numéro de cirque qui accompagne un artiste toute sa vie, donc voilà, qu'on pourrait placer du côté du cirque dit traditionnel, et de l'autre, la performance qu'on ne joue qu'une seule fois. S'il cherche à travailler sur la prise de risque et l'engagement, je le cite encore, hein, il insiste aussi sur sa volonté de sortir le cirque d'une certaine forme de régime d'exception spectaculaire. Et dans ce spectacle en tout cas, il veut montrer le quotidien d'un circassien qui s'entraîne, qui travaille, quotidien qui a sa part de routine, puisqu'il faut trouver la façon d'accrocher la grée, préparer des moyens de sécurité qui sont... là, c'est lui qui le dit, hein, qui sont plus ou moins valables, monter et descendre de la corde à de nombreuses reprises. Le quotidien d'un circassien ressemble, dit-il, à celui de tout le monde, ou du moins de toutes les personnes dont le corps est un outil de travail, d'un maçon qui monte un mur, d'un maraîcher qui cultive un champ. Si une figure exécutée une fois crée de l'émerveillement, la même figure répétée de nombreuses fois peut éveiller le sentiment d'une absurdité folle et d'un ennui incroyable. Et c'est cet ascenseur émotionnel entre des figures spectaculaires et des actes très concrets qui lui permet de toucher un public de tout âge et de toute condition sociale. Fragan Gelker, qui n'a pas seulement fait du cirque, mais aussi de l'escalade et des arts martiaux, c'est sa polyvalence à lui de circassien contemporain, insiste aussi sur la nécessité de prendre des risques le plus intelligemment possible, en n'associant pas systématiquement le risque à
ce qui ne serait pas raisonnable ou ce qu'il faut éviter de faire. Et il extrapole volontiers cette réflexion à la société tout entière. Ces propos qu'il a tenus un ou deux ans avant la crise du Covid résonnent de manière assez frappante, me semble-t-il, rétrospectivement. Il insiste sur le fait qu'il n'est pas un casse-cou, mais qu'il revendique de prendre des risques qui sont balisés pour dépasser la peur, ce qui suppose une inventivité quotidienne dans la création de parcours qu'il nomme « mi-décidé » et « mi-improvisé », et surtout de prendre le temps de s'adapter au lieu. Et c'est là qu'intervient aussi la nécessité d'un changement de modèle économique, puisque pour s'entraîner au risque, il faut du temps. Or, dans le rapport managérial qui règne aujourd'hui dans le spectacle vivant, les temps de montage sont réduits à l'extrême, ce qui pousse les artistes à adapter le lieu à leur spectacle, au lieu de prendre le temps de s'adapter au lieu, au public, au contexte. Fraganjelker a été invité en 2018 au sein du forum philosophique organisé par Jean Birnbaum au Mans, dont la thématique était « De quoi avons-nous peur ?». Alors, je vous cite les conclusions de sa conférence qui s'intitulait « Négocier avec la peur ». Qui témoigne bien de la façon dont le cirque contemporain peut quelque part éveiller une forme d'engagement. Observer un homme qui est prêt à mourir pour rien pose naturellement la question « Pourquoi serais-je prêt à mourir ?» Et si cette question fait peur, c'est qu'elle en entraîne d'autres. Pourquoi suis-je prêt à vivre ? Et la plus dure, est-ce que ma vie a du sens ? Pour ma part, en tout cas, je me demande si notre société, qui à mes yeux s'évertue à abolir dans de nombreux domaines la prise de risque, n'œuvre pas à notre amoindrissement. À une certaine aliénation de l'individu. Pourquoi chercher à réduire les risques que nous encourons tous les jours ? Et pourquoi y a-t-il si peu d'espace dans lesquels on peut apprendre à les connaître ou les reconnaître, puis à les comprendre, à les maîtriser et à agir en fonction d'eux ? Inutile de se raconter qu'une vie sans risque est possible. Malheureusement, aujourd'hui, on nous propose fréquemment d'évoluer sans risque. Ainsi, face au risque, car tôt ou tard, nous nous laisserons surprendre, on est de moins habitué à agir ou réagir. On est de moins en moins préparé à y faire face parce qu'on n'est pas habitué à analyser les réelles probabilités de danger et on se laisse donc facilement submerger par la peur et l'hébétude. À mon sens, autant sur le plan individuel que sociétal, c'est très dangereux. Chaque fois que j'ai vécu le sentiment de la peur alors que j'étais en situation de danger intense, que j'ai réussi à y faire face, à comprendre la cause de ce sentiment, à utiliser l'énergie qu'il m'apportait pour accomplir ce que je voulais faire, j'ai connu une sensation de puissance, de lucidité, une sensation d'une telle profondeur que je trouve extrêmement dommage de ne pas chercher plus souvent à l'éprouver. Malheureusement, notre société nous offre très peu d'espace pour en faire l'expérience. Pour conclure, j'avais noté une pensée de Montaigne au moment où j'ai essayé de préparer ces quelques mots. La préméditation de la mort est préméditation de la liberté. Qui a appris à mourir, il a désappris à servir. On trouve des propos très similaires chez Chloé Moglia, acrobate suspensive, qui déclare par exemple dans une émission de radio « Dans le métier, quand on descend de la grée, on entend parfois « Il ne faudrait pas se mettre en danger comme ça ». Je réponds toujours « Vous avez une voiture, vous conduisez à 90 km/h sur l'autoroute avec quelqu'un qui passe en face ». Et ça, c'est pas se mettre en danger, ça ? La question du danger est biaisée parce que les gens parlent du danger en parlant de leur peur. Et ce n'est pas la même chose. Chloé Moglia est un bel exemple de ce qu'une circassienne contemporaine peut générer en questionnant ou en refusant l'arbitraire social, démarche que je qualifierais moi avec ma formation en théâtre de brechtienne. Par exemple, elle explique que les mots nous enferment lorsqu'ils désignent comme une table ce qui pourrait être une cabane, mais que les livres nous délivrent parce qu'ils nous proposent d'autres façons d'envisager le monde. « Même quand je lève le bras, il n'y a rien qui est normal », affirme-t-elle. Elle a aussi beaucoup travaillé à rendre moins arbitraires les agrès de suspension, je veux dire par là, à en inventer d'autres. Et elle aussi... Donc au début de ce numéro que vous avez peut-être vu, qui a beaucoup tourné sur Arte pendant le Covid, hein, qui est le numéro filmé Horizon, nous montre le montage de son agrès juste avant l'ascension. Elle est aussi connue pour avoir exploré la suspension dans sa durée extrême et dans ce qu'elle peut susciter de porosité au monde et à l'environnement. Je vous montre là une courte vidéo du dernier spectacle que j'ai vu d'elle à Paris en juin dernier, L'Aspire, qui n'est pas son dernier spectacle produit. Hein. C'est juste que moi, c'est le dernier d'elle que j'ai pu voir. Dans L'Aspire, 5 femmes évoluent sur cette spirale en filin d'acier qui est conçue comme une sculpture. Structure sculpture, je cite la note d'intention, hein, légère et monumentale à la fois, de 18 mètres, qui abrite en son centre un espace vide. Ce qui m'a vraiment frappée en le voyant, ce spectacle, c'est la manière dont le geste de suspension, souvent fait chez Moglia dans une grande lenteur, et encore dans L'Aspire, c'est moins lent
que dans d'autres de ses spectacles, parce qu'il y a de la musique en live, en direct, et que donc elle danse. Donc ce spectacle nous amenait quelque part à décentrer notre regard, et non seulement à être là autrement, mais à voir la ville sous un autre, sous un autre angle, puisque la spire encadre quelque part du vide. Nous amener à regarder autour de nous comme elles-mêmes, les acrobates, regardent autour d'elles. Dans une expérience comme celle-ci, on peut voir combien le modèle militaire originel de conquête de l'espace n'est plus valable. Il a cédé la place aux imaginaires de l'adaptation, de la résistance et de l'endurance. L'entraînement, explique Chloé Moglia, ne consiste pas à faire des tractions ou à se corriger, mais, dit-elle encore, à bien sentir ce qui a lieu et à sentir quand on faiblit. C'est donc un entraînement perceptif et somatique, autant que physique et psychique. En cette période post-Jeux olympiques, il me semble judicieux de pointer justement la façon dont certaines acrobates de cirque contemporain prennent leur distance avec le modèle athlétique, ou du moins avec l'engagement physique tel qu'il s'évalue ou s'apprécie dans le sport. Alors, il y a plusieurs éléments qui marquent ces différences. Tout d'abord, le fait qu'ils ne cherchent pas à faire mieux que les autres, mais autrement, en fait. Il n'y a pas de médaille dans le cirque contemporain. C'est bête de le dire, mais ça importe. Ensuite, le fait qu'il et elle n'évoluent pas sous la bannière d'un drapeau, mais au contraire sous forme de tribus, souvent multinationales et de groupements hétérotopiques. Il y aurait d'ailleurs, là je fais un flashback très rapide, mais une enquête vraiment intéressante à mener pour les historiens ou historiennes sur les croisements entre cirque et franc-maçonnerie au XXe siècle, parce que j'ai découvert dans des archives d'acrobates des choses étonnantes là-dessus. Quelque chose à penser sur la manière dont les acrobates se reconnaissaient entre eux par d'autres biais. On pourrait dire que les bannières nationales. Et plutôt donc que le modèle de l'athlète, je dirais que c'est celui de l'ascète qui me semble inspirer de nombreux et de nombreuses acrobates actuels. L'ascète, par son mode de vie, interroge celui des groupes sociaux qui constituent la société. Il n'est pas une figure de proue, il n'est pas à l'avant-garde, comme on le disait autrefois à propos de certains arts en utilisant un vocabulaire militaire. Il n'est pas non plus réduit par le groupe à la marginalité. On ne lui impose pas sa marginalité. C'est un choix, en fait, cette mise en marge. Et donc, l'ascète se situe délibérément à part, et c'est dans cette aparté volontaire, je dirais, que les autres reconnaissent son existence et son exemplarité. Dernièrement, j'ai pu entendre lors d'une rencontre avec le public au Prato, l'acrobate Sébastien Vaujdan répondre à une spectatrice qui lui demandait pourquoi il se faisait si mal dans le spectacle blanc. Pourquoi, par exemple, il s'inflige 10 km de course loin des yeux du public, passe encore. On peut penser que c'est un entraînement. Mais surtout, pourquoi, à un moment donné du spectacle, il va s'agrafer le ventre, geste perçu comme le summum du masochisme. Et il lui a répondu bah, « Pour moi, le cirque est un art où on va un peu chercher la douleur, comme les gens qui marchent sur les braises. » Beaucoup d'acrobates contemporains, acrobates contemporaines, ont cette démarche assez prométhéenne d'aller chercher la peur, le risque ou la douleur plus loin que le reste de la société, mais pour les ramener sur terre, quelque part, dans l'espace public et les offrir à débat. Et cela ne me semble pas un hasard, d'ailleurs, si deux événements de cirque actuel, à savoir le spectacle blanc de Sébastien Vaujdan et aussi le podcast En finir de Johann Schwarzwager, cite ce même passage des Nouveaux Anciens de Kate Tempest, qui repose sur un déplacement justement des héros et des dieux dans le monde contemporain quotidien avec ses misères et ses routines. Aux temps anciens, les mythes étaient ces histoires qu'on utilisait pour se raconter. Mais comment expliquer cette façon de nous haïr? Comment expliquer ce que nous avons fait de nous, la façon dont en deux nous nous brisons, la façon dont nous compliquons ce nous? Nous sommes pourtant toujours mythiques, coincés pour toujours entre le pitoyable et l'héroïque. Nous sommes encore divins, c'est ce qui nous rend si monstrueux. Mais c'est comme si nous avions oublié que notre propre valeur excédait de loin l'ensemble de nos biens. Les dieux sont tous là, car les dieux sont en nous, les dieux sont au PMU, les dieux sont au café, les dieux font des pauses clopes là derrière, les dieux sont au bureau, les dieux n'en peuvent plus de toujours donner plus pour moins, les dieux sont en rêve, à deux cachés de profondeur dans la danse, les dieux sont dans l'allée en train de rire, les dieux sont chez le médecin, ils ont besoin d'un petit truc contre le stress, les dieux baisent aux chiottes sans capote, les dieux sont au supermarché, les dieux rentrent chez eux à pied, les dieux n'en peuvent plus
ne peuvent pas s'empêcher de zoner sur Facebook. Les dieux sont dans un embouteillage, les dieux sont dans le train, les dieux regardent la pub, ils ne sont pas coupables, ils travaillent pour la mairie. Puis, les voilà au chômage. Les dieux sont nés, ils vivent un temps et puis ils vont mourir. Choisis-en un. Regarde encore et tu verras les dieux se lever au fond des yeux les plus modestes et humains. Le cirque contemporain, me semble-t-il, s'inscrit dans cette optique d'exposer l'effort, la douleur, la résistance, moins pour se démarquer en faisant toujours plus fort ou en produisant des héros, que pour tendre un miroir sublimant à nos aspirations et à nos découragements. Alors si dans mon propos précédent, j'ai adopté une démarche rétrospective en tentant de montrer comment les gestes ou les attitudes engagées ont pu se décliner au cirque du 19e siècle jusqu'à nos jours, de manière variable selon les contextes, je vais à présent renverser la vapeur en quelque sorte et développer un raisonnement que je dirais inverse, plus prospectif, en tentant de montrer comment l'engagement militant du 21e siècle a peut-être... pu s'inspirer de pratiques artistiques circassiennes et en m'attachant plus spécifiquement à l'improvisation clownesque. Mais avant cela, il me faut quand même faire une remarque préalable et résumer en quelques mots un assez long développement que j'ai complètement, que j'ai supprimé, qui portait sur le retournement copernicien qui s'est produit dans les années 1960-80. Je regrette d'ailleurs de l'avoir supprimé parce que je pensais que Martine Maléval allait en parler, mais comme elle n'est pas là. Je le dis très rapidement. Retournement copernicien dans les années 1960-80, qui est lié, bien sûr, beaucoup d'entre vous le savent, à l'avènement des écoles de cirque, écoles de loisirs et écoles professionnelles, et qui est, donc cet avènement des écoles, un jalon capital qu'on a tendance peut-être à un peu oublier aujourd'hui qu'on est 50 ans après, mais qui relève en fait d'un vrai changement de paradigme et qui a une incidence historique sur la question de l'engagement moral et politique au cirque. Donc c'est vraiment une... très bonne chose qu'il y ait une table ronde demain sur les écoles. Avant ces écoles, il faut quand même le rappeler, les phénomènes, les enfants et les animaux faisaient partie du personnel exploité du cirque. Ils étaient des malgré-nous du cirque, pour reprendre la métaphore militaire, enrôlés de force dans la grande entreprise de divertissement. Et si ce parallèle peut vous paraître un peu rapide, de mettre en parallèle les phénomènes, les enfants et les animaux, je vous engage à lire des mémoires comme ceux du dompteur Bidel au 19e siècle, ou l'autobiographie d'Annie Fratellini, que j'ai citée tout à l'heure au 20e siècle, ou même des traités d'équitation qui montrent que le parallèle entre dressage des enfants et dressage des animaux est très très courant au 19e et au début du 20e siècle. C'est vraiment... on élève un cheval comme on élève un enfant, en fait, et qu'ils attestent, en fait, du fait que la formation des enfants de la balle et le dressage des animaux étaient vraiment conçus en des termes très similaires, jusque dans les années 50, on pourrait dire. Alors, il y a des sociologues des animaux comme Éric Baraté, Pierre Serna, Kautar Archi, qui soulignent la corrélation aussi entre droit de l'enfant et droit de l'animal, que ces avancées ont souvent été parallèles. Les écoles de cirque, l'éducation artistique par le cirque, ont fait vaciller ces modes d'apprentissage en même temps qu'elles suscitaient un grand brassage social. Bon, c'est au même moment que l'éducation populaire se développe aussi du côté du théâtre et du sport d'ailleurs. Ce brassage social dans les écoles de cirque a amené aussi une évolution d'une culture qu'on pourrait appeler une culture du dressage et de la maîtrise de la figure, à une culture qui serait une culture de l'exposition du vivant et du savoir-être sensible et du geste artistique. À cet égard, il me semble tout à fait symptomatique qu'une acrobate comme Maroussia Diaz-Verbeck raconte dans Circo Radio qu'elle s'était posée à elle-même le défi d'aboyer toute seule dans un bus et que si elle n'était pas capable de faire ça, elle ne pourrait pas devenir artiste de cirque. Il s'agissait donc moins pour elle de maîtriser un certain répertoire de figures. Elle n'a pas dit je me suis dit que quand je saurais faire telle figure sur ma corde, je serais artiste de cirque. Non, il s'agissait d'aboyer dans un bus et donc, quelque part, d'avoir une attitude artiste, ici assimilée à celle de l'animal, et de performer ce geste artiste dans une situation quotidienne non spectaculaire. Être dans un bus. Je n'ai pas essayé tout à l'heure en venant dans le bus 31. Pourtant, il était bondé. Je pense que j'aurais fait sensation. Mais donc le zoomorphisme est d'ailleurs une de ces attitudes artistes que les circassiens contemporains ont beaucoup développé. Mais c'est quelque chose que je ne vais pas développer ici. Or,
celles et ceux qui me semblent le plus à même de nous faire comprendre ce que le cirque peut produire comme renversement des usages, de l'ordre et des valeurs établies, ce sont les clowns contemporains, parce qu'ils et elles ne craignent pas d'activer émotionnellement et artistiquement leur part d'enfance et leur part d'animalité. D'ailleurs, en lisant l'ouvrage de Jacques Yon, S'engager dans une société d'individus, qui était conseillé dans la bibliographie pour ce colloque, merci pour ce conseil très utile que je me suis empressée de suivre, je n'ai pas été très surprise de retrouver parmi la liste des réseaux activistes qui se sont développés au XXIe siècle les brigades activistes de clowns aux côtés des jeudis noirs et des manifs de droite. Hein, toutes ces, je cite Jacques Yon, luttes festives qui, bien sûr, s'inscrivent dans une longue tradition carnavalesque, tout en renouvelant, bien sûr, les comportements et les intentions. Les brigades activistes de clowns correspondent très bien aux caractéristiques que Jacques Yon pointe par ailleurs dans son ouvrage, hein, caractéristiques de ce qu'il appelle l'engagement individuel typique de l'ère contemporaine. Au-delà de leur personnalité unique, il et elle, ces clowns, ont pour point commun dans leur mobilisation l'horizontalité des rapports, il n'y a pas de chef clown dans ces bandes d'Auguste, la réflexivité, en tendant un miroir parodique aux forces de l'ordre, il et elle déjouent leurs réflexes conditionnés, et enfin, la mobilisation des affects. On sait que les clowns suscitent des émotions fortes et contradictoires. Chaque fois que je vais emmener mes étudiants voir des spectacles de clowns, j'ai droit aux deux ou trois étudiants qui viennent me voir et me disent « je suis coulrophobe, je ne peux pas ». Donc les clowns, effectivement, suscitent des émotions contradictoires, positives comme négatives. Ils éveillent tantôt la tendresse qu'on peut avoir à l'égard des enfants, tantôt la terreur que suscitent les animaux sauvages, parce qu'on devine aller voir leur potentiel anarchique. Il y a, disait Dario Fo, de l'obscène, du vicieux, du méchant, du diabolique dans le clown, et j'ajouterais de la revanche, mais une revanche désarmante. Un article du Monde de 2014 de Mathieu Suc cite des propos de policiers qui accusent les clowns activistes d'avoir des liens avec les Black Blocs. Lorsqu'on voit embarquer dans un camion de police, comme sur cette photo malheureusement non sourcée et non datée, un groupe de clowns, on peut s'interroger sur ce parallèle qui les assimile à des groupuscules violents. Pourtant, quand je l'ai montré à ma fille, je lui ai dit « qu'est-ce que ça t'évoque ?» Elle m'a dit « ça me fait peur ». Je n'ai pas très bien compris pourquoi. Mais donc, et pourtant, ils effraient. Je ne sais pas pourquoi ils effraient. On pourrait d'ailleurs croire à première vue que ces clowns de manif sont seulement des personnes déguisées en clowns. Mais il y a en fait une réelle circulation entre le monde militant et le monde artistique et un certain nombre de clowns professionnels interviennent dans les régionales, brigades activistes de clowns régionales. Par exemple, Patricia Buffet, formée au Prato, est engagée dans la BAC 69 à Lyon et revendique le fait d'exercer le clown politique, dit-elle. C'est aussi... je reviens à cette référence à cet article de 2005 du Britannique John Jordan, dit colonel Klepto, dans un texte intitulé « Faire la guerre avec amour », lorsqu'il affirmait que les combattants de Circa, l'armée clandestine des clowns rebelles insurgés, ne prétendent pas être des clowns, ils sont de véritables clowns, échappés de la sécurité anémique du cirque, hein, je le cite encore, qui considère l'âme et la rue comme des lieux de lutte. Colonel Klepto insiste dans cet article sur le fait que trouver son clown consiste à apprendre à cultiver une façon d'être plutôt qu'une technique. On en revient au savoir-être. Or, cette façon d'être va à l'encontre, dit-il encore, de la plupart des pratiques activistes qui s'entraînent principalement à l'assaut et au retrait, c'est-à-dire à des pratiques de groupuscules armés. À l'inverse, les clowns ne se confrontent jamais à l'autorité, là je le cite, hein, j'en suis pas si certaine, mais lui il dit qu'il ne se confronte jamais à l'autorité, d'où leur caractère déroutant. Il et elle aiment l'échec, se précipitent de plein gré en prison lorsqu'on veut les y faire entrer de force, transforment la cellule en aire de jeu, supplient les forces de l'ordre de les y remettre lorsqu'on les libère, animent les moments de fouille au corps par un tas d'objets incongrus dans leur poche, chapelet de saucisses, sous-vêtements, canards en caoutchouc, cochons rembourrés, en peluche rose, gadgets sexuels, nains de jardin miniatures, vieux os, petits tanks, ventouses, etc. Parce qu'ils ne quittent jamais leur être clown, ils éveillent donc tout particulièrement le regard des badauds sur l'absurdité de la situation de répression qui devient criante. Alors ces brigades activistes doivent en fait leur capacité d'improvisation remarquable à une véritable culture clownesque qui s'est justement développée,
dans les années 1960-80, en même temps que naissait le cirque contemporain. Cette culture clownesque, elle est bien sûr aussi, on la doit aussi à Jacques Lecoq, mais pas seulement. Je pense qu'il y a eu vraiment plusieurs réseaux, parce que Lecoq a beaucoup dit, moi je défends le clown de théâtre et je m'oppose au clown de cirque, mais en parallèle, d'autres pratiques clownesques s'organisaient et se développaient. Alors, dans les livres et les déclarations sur le clown, on a souvent mis l'accent sur la marginalité du clown en se référant à son étymologie de Claude, rustre, paysan, et en l'assimilant à une figure, là je cite plutôt des propos du 21e siècle, en l'assimilant à une figure du sans-domicile fixe. Hein. C'était André Rio-Sarcé, maître clown, qui disait ça à l'époque. J'aimerais avancer ici l'hypothèse que la pratique clownesque est, en tout cas, telle qu'elle existe aujourd'hui, une pratique foncièrement associative. Ce qui n'ôte rien, bien au contraire, à son caractère sulfureux et anarchique. Et je citerai à l'appui de ce propos un aphorisme de Michel Dallaire, clown aussi. Hein. Le clown est un inadapté social qui rend la vie sociale beaucoup plus tolérable. Le clown est une pratique associative dans le sens, bien sûr, socio-juridique du terme, il y a des associations de clowns, mais surtout dans le sens poétique du terme, dans le sens où la dramaturgie du geste clownesque est une dramaturgie onirique, une dramaturgie du marabout, bout de ficelle, selle de cheval, qui ne s'épuise jamais et qui donc ne connaît ni le découragement ni l'indifférence. Or, le découragement et l'indifférence, ce sont ces sentiments qui empêchent de s'engager. L'improvisation est donc une forme d'engagement dans le réel. Les clowns ne s'arrêtent jamais, même lorsqu'ils et elles ne font rien, parce qu'ils et elles ne font rien parfois, ils et elles sont là, et se présentent comme des phases d'interposition avec le monde, des êtres qu'on pourrait qualifier de transitionnels qui soudain éclairent la réalité sous un jour inattendu. J'aimerais parler à ce propos de deux clowns contemporains de générations différentes qui ont développé des pratiques hors spectacle qui n'ont rien à voir, mais qui témoignent de l'inventivité clownesque en temps de crise, à savoir Gilles de Fac et Caroline Aubin. Gilles de Fac est devenu poète, clown, improvisateur dans le sillage de mai 68, au contact de musiciens jazz, eux-mêmes improvisateurs, en se saisissant de questions d'actualité avec des comparses anarchistes qui refusaient d'être payés pour leurs actions, mais aussi, me dit-il, parce que lui, il fallait qu'il vive, en gagnant sa vie de clown par des interventions rémunérées à des moments de l'année, comme l'arbre de Noël ou les hôpitaux, donc des missions de clown qui lui permettraient d'en vivre. Comme le souligne Yannick Mancel, ce qui motivait la démarche au départ des actrices et des acteurs du Prato, relevait de l'action politique et les préoccupations d'ordre esthétique étaient reléguées au second plan. Alain Deyer, qui a été clown avec Gilles de Fac par la suite, raconte la révélation au début des années 70 qu'a constitué pour lui le fait de voir des clowns parler d'aujourd'hui, du monde dans lequel nous vivions. J'aimerais focaliser mon propos sur l'une des improvisations ou performances, on pourrait dire, qu'a développé Gilles de Fac à partir de 1983 et qu'il reprend encore aujourd'hui et qui s'appelle le tournage imaginaire. En quatre décennies, il l'a déployé plusieurs fois par an dans des lieux et des contextes aussi variés qu'une inauguration officielle avec des élus, une manifestation avec des syndicats, un centre commercial, un refuge Emmaüs, le festival de Chalon dans la rue, le palais des Beaux-Arts à Lille, une rentrée universitaire, etc. etc. Dans ce tournage imaginaire qui se fait sans jamais être filmé, c'est l'idée, Gilles de Fac prend au dépourvu les personnes qui passent par là sans pour autant les prendre à partie. Il les pousse à s'observer agissantes et les invite à improviser leur vie au son du clap qui va découper leurs actions. Il ne s'agit jamais pour lui de les faire participer à une mascarade ou de faire jouer les gens, mais au contraire de déceler le potentiel ludique, puissant et mémorable d'un moment quotidien. Son intervention est donc d'abord rythmique, en ce sens qu'il interrompt l'action quotidienne, soit pour l'éclairer, soit pour proposer qu'elle soit réitérée. Ce tournage imaginaire, c'est en quelque sorte le miroir inversé des exhibitions de phénomènes ou d'animaux, puisqu'il s'agit non pas d'y exhiber autrui en l'exotisant, mais de faire saisir à tout le monde que l'autre n'est jamais n'importe qui, l'autre a toujours quelque chose d'intéressant, et que chacun d'entre nous est une, je le cite encore, étrangeté à découvrir. Le tournage imaginaire est une déclinaison artiste et contemporaine de la pensée magique enfantine. Au moment du tournage, le réel m'appartient, me confie Gilles de Fac, bien conscient qu'il y a dans cette attitude à la fois une grande ironie et une façon d'exalter la réalité.
de manière très différente, mais tout aussi engagée, Caroline Aubin a développé à partir de 2003 plusieurs projets de pratiques clownesques en milieu humain, dont les points communs sont notamment, donc je cite là le manifeste des enchantreurs qui est sur leur site, de considérer l'art comme un service à la personne et d'ouvrir une brèche dans le monde pour le farcir d'imaginaire. C'est en 2003, au moment de la crise des intermittents, alors même qu'elle constate la désolidarisation des institutions culturelles et du public d'avec les artistes, qu'elle initie le premier projet qui s'appelle la Fabrique des liens, projet qui consiste dans un premier temps à s'asseoir sur un banc en clown et à attendre que les gens viennent à elle, lui demandent quelque chose, demande à laquelle elle répond toujours en proserpine, qui est le nom de son clown. Elle habitera ainsi des espaces publics multiples, un quartier, un lycée, un canton en milieu rural, un hôpital psychiatrique. D'autres projets suivront, en particulier en 2010, 7 clowns, 7 jours, 7 familles, qui consiste à faire accueillir un clown pendant 7 jours dans 7 familles d'une commune ou d'un quartier, afin que l'art vienne, dit-elle, lors d'un entretien qu'elle a eu la gentillesse de m'accorder, afin que l'art vienne s'incruster dans le quotidien et déconstruire les regards. Les 7 familles étaient choisies pour leur variété en termes de milieu social et de configuration. Il y avait la cellule familiale célibataire, et oui, c'est une famille, la famille de retraités, la famille populaire, la famille de riches, parce que, m'a-t-elle dit, il s'agissait aussi de faire bouger les lignes de l'action culturelle sympa pour les pauvres, comme si c'était toujours les pauvres qui avaient besoin d'être cultivés et pas les riches qui avaient besoin d'être moins cons. Et donc, elle constate qu'il y a eu, pour les familles concernées, un avant et un après. Avant et après le passage des clowns, dont la venue a remis en question des conventions, des statu quo, des comportements, qui a suscité parfois des divorces. Caroline Aubin explique par exemple que lorsque les familles se déplaçaient dans l'espace public avec leurs clowns assignés, leurs membres se donnaient comme mission de les protéger des regards des autres, comme si ils avaient eu en leur sein en fait un enfant handicapé et qu'il y avait cette envie de faire corps autour du clown ou de la clown. Les clowns, là encore, leur appartenaient. Et les rôles au sein de la famille pouvaient se redistribuer temporairement, faisant évoluer les schémas installés. C'est en cela que les clowns en milieu humain, pour reprendre les termes de Caroline Aubin, poussent à prendre soin du monde qui gît au fond de soi. Alors, invitée à une émission de France Culture sur les livres qui l'inspirent dans sa démarche artistique, Chloé Moglia citait entre autres références l'avertissement liminaire de la vie et demie de Sonny Laboutancy. Et comme j'ai écouté cette émission l'été dernier, quand je préparais cette intervention, je n'ai pas pu m'empêcher de relever ce texte que je ne connaissais pas avant que Chloé Moglia le cite. J'écris pour qu'il fasse peur en moi. Et comme l'a dit Ionesco, je n'enseigne pas, j'invente. J'invente un poste de peur en ce vaste monde qui fout le camp. À ceux qui cherchent un auteur engageant, je propose un auteur engageant. Alors, dans cette déclaration se trouve, me semble-t-il, une forme de levier possible pour saisir l'une des spécificités de la démarche circassienne quant à la question de l'engagement. Il s'agit moins pour les artistes d'être engagés, ce qui signifierait prendre position par rapport à une question d'actualité, ce qui n'empêche pas qu'ils le fassent parfois, mais il s'agit surtout de produire des gestes engageants. Alors qu'est-ce qu'un geste engageant ? Ce serait un geste qui invente des chemins buissonniers, qui permet de mesurer qu'il est toujours possible de faire autrement, de se mouvoir autrement, de réagir autrement, de s'organiser autrement, et surtout un geste qui va vers l'autre. Vous avez parlé d'accessibilité au tout début, donc là je parle, c'est effectivement un mot qui m'est venu à l'esprit en pensant au cirque contemporain. Accessibilité au sens, pas au sens purement institutionnel qu'on utilise aujourd'hui de accessibilité pour les personnes handicapées et valides, mais vraiment au sens beaucoup plus large que cela. Le cirque contemporain me semble vraiment particulier dans sa mixité d'âge et de classe sociale et dans le fait qu'il va cultiver une certaine forme d'ouverture. On a souvent dit que le cirque contemporain attire un public adulte et diplômé, certes peut-être plus adulte et diplômé que le cirque traditionnel, estimé plus familial ou plus populaire, mais pour ma part, à chaque fois qu'un spectacle de cirque est gratuit et montré dans l'espace public, j'ai pu constater que, en tout cas, la mixité d'âge était impressionnante, qu'il s'agisse des Moulins Dimanche du Prato à Lille ou du festival Village de Cirque de la coopérative de rue et de cirque à Paris. Je vous ai mis là l'exemple du spectacle Vilain Chien,
que j'ai vu il y a 3 semaines au parc de Choisy et dont le public est très mixte du point de vue des classes d'âge représentées. Socialement, je n'ai pas fait l'enquête, hein, donc je n'ai pas moyen de l'évaluer. Cette impression d'accessibilité du cirque n'est pas seulement, me semble-t-il, liée aux conditions de représentation. Elle tient en fait aussi à l'attitude des artistes qui détonnent avec celle des gens de théâtre et de danse. Ça me frappe à chaque fois, puisque je fréquente les 3 arts, pourrait-on dire. Lorsque la représentation se termine, l'artiste propose presque toujours de le rejoindre ou de la rejoindre à la sortie. Phénomène que j'observe très rarement avec des danseurs ou des acteurs. Et cet ethos de l'accessibilité, héritier des saltimbanques, est aussi à mes yeux un geste engageant, une façon de se positionner dans le monde et d'ouvrir des passerelles avec la vie ordinaire. Voilà, j'en ai fini.